Bienvenue chez les Monoski Snow Guns. Donc on va vous montrer comment préparer ces fixations Pro et Fix lorsque vous les recevez et comment les régler. Donc voilà, donc nous avons 4 plaques et donc nous allons fixer les plots pour régler la taille de vos chaussures. Donc c'est 2 vis à insérer dans le plot, donc c'est au format clé Torx 30. Donc vous avez 2 clés à vous munir, là une clé mâle comme sur la gauche et un embout pour le mettre sur une perceuse si vous voulez aller plus rapidement. Donc on visse les 2 vis du plot, pas trop, pour pouvoir le bouger et régler ensuite la distance et l'adapter à votre chaussure. Donc on va bien le voir sur le plot avant. Donc on repose les 2 petits écrous bien alignés, on pose le plot avant, on met les 2 vis, on visse, pas beaucoup, juste pour prendre dans l'écrou. Voilà, c'est bloqué, on dévisse un peu plus, voilà, encore une dévisse encore un peu, et voilà, on peut régler la butte avant sans problème. Donc maintenant, on prend le milieu du monoski, donc pour chaque planche, les milieux sont cotés, donc vous avez le choix entre 3 centres différents. Vous y adaptez le centre de votre chaussure, qui est marqué en relief comme ceci sur la semelle, et vous adaptez le centre de la chaussure sur le centre de monoski que vous avez choisi. Donc vous réglez le tout, vous placez le centre, vous enlevez délicatement la chaussure, et vous fixez la butée arrière, qui elle est à la bonne place. Voilà, en vissant à fond les 2 vis torx du plot. Vous réinsérez la chaussure, vous calez la butée avant, tout doucement vous essayez de l'enlever, vous voyez qu'elle part un peu en avant, on va récupérer ça, on la glisse un peu plus en arrière, et on la cale. Voilà. Et le pied droit est monté. On vérifie. Donc le serrage doit être ni trop faible ni trop fort, vraiment doux. Voilà, ça c'est un serrage parfait. Donc vous allez voir si c'est vraiment, il se déclipse trop facilement et avec même pas un doigt, c'est trop mou, c'est pas bon. Si c'est trop dur ou il faut vraiment forcer pour serrer, ce n'est vraiment pas bon non plus, à proscrire totalement, hein. Donc trop serré, c'est vraiment pas bon. Voilà le serrage parfait, sans force, mais qui tient quand même et qui se déclipse facilement. Voilà, ça c'est le serrage parfait pour votre ProFX. Donc une fois que vous avez réglé un pied, vous avez juste à vous aligner pour régler le second. Voilà, vous alignez les vis et vous vissez la butée avant de la même façon. Attention, chose très importante, quand vous mettez vos ProFX, l'arceau doit toujours être au-dessus de la talonnière. Hein. Ça c'est très important, surtout quand vous skiez. Il vous reste par la suite donc vérifier le serrage du crochet avant et toutes les semaines, tous les 10 jours, vérifiez toujours un peu la tension de vos vis, de vos plaques ProFX et rajoutez-en un peu. Donc ça, c'est voici la technique pour porter votre monoski, hein, avec le pouce autour de l'arceau. Et donc voilà, c'est la meilleure façon de porter son monoski, de l'avoir très, très léger à côté de soi. Bon monoski!